La situation actuelle, elle est compliquée. Elle est complexe pour l'entreprise, mais elle est surtout complexe pour les salariés. Et nous avons négocié deux accords pour, bien sûr, sécuriser au mieux les salariés, mais aussi donner un peu de temps à l'entreprise pour pouvoir s'organiser. Force est de constater qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Un exemple concret, nous avons signé un accord sur l'implantation de la Fala 321. Ce projet est aujourd'hui suspendu. Il y avait quand même 600 emplois à la clé. Notre organisation fera tout pour mettre en œuvre, pour faire avancer ce dossier dans les meilleures conditions. Et j'espère de tout mon cœur que cette Fala arrivera sur le site toulousain rapidement. Pour les salariés d'Airbus Opérations Toulouse, je leur dirais que je suis très fier de les représenter au nom de mon syndicat, que tous les ans, ils réussissent à battre des records. Ça nous met, nous, syndicats, obligés d'être aussi à ce niveau-là. Pas évident tous les jours, mais il faut qu'ils sachent que notre syndicat sera toujours à leur côté pour les défendre, pour les soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je suis sûr qu'ensemble, nous y arriverons.